Et tout de suite, je l'accueille en exclusivité car il n'a parlé à aucun média. L'entraîneur, excusez-moi, de l'équipe de France féminine pour l'Euro, Olivier Echouini. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et je suis en compagnie de notre invité Olivier Echouini. Bonjour Olivier. Echouini. Bonjour Jean-René. Vous allez bien? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, c'était l'exclusivité qu'on vous propose. Hein. Il n'a parlé à aucun média. Aucun. Vous venez de parler de l'Euro féminin qui a commencé ce week-end ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus. La semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe? Oui, je vous parle des filles, Jean-René. Allez-y. Ça ouais, je quitte là, ça fait tout à l'heure on était sous les douches. Je peux vous dire que l'ambiance était chaude. L'ambiance était chaude, est-ce que vous pouvez nous dire qui est attaquant, qui est gardien Au niveau de l'attaque, ça attaque sec, ça attaque dur. Disons que nous on n'aime pas taper dans du mou quoi. Et des personnes s'il vous plaît? Les personnes, actuellement il y en a 11 sur le terrain. Moi je suis sur le terrain aussi, mais moi je cours pas après le ballon. Alors allez. Oui. Et quel conseil vous donnez le plus régulièrement à votre équipe? Généralement, les filles, ce que je leur dis, c'est qu'il faut y aller à fond, quoi. Le but, c'est de satisfaire le client. Tu vois ce que je veux dire? Donc le client, avec nous, il est toujours satisfait. On parle bien foot, hein. On parle de foot, Jean-René. Attends, qu'est-ce que vous insinuez, quand même? Et dans les vestiaires, quelle est l'ambiance entre les filles? Ah, les vestiaires. L'ambiance est bonne. C'est-à-dire que les filles... elles sont partageuses, hein. C'est pas des égoïstes chez nous. Hein. Elles se prêtent le savon, elles se le passent, y a pas de problème. Si t'as oublié ta serviette, tu peux venir sans. Lors du dernier match contre l'Islande, vous avez gagné 1-0. Eh oui. Comment vous sentez-vous après ce match? Easy, easy. Par contre, je tiens à rectifier, certains nous accusent d'avoir triché, d'avoir payé l'arbitre. Je aimerais dire à tous ces gens-là qui se mêlent de leurs affaires. Parce que y en a qui ont le bras long, mais moi je l'ai musclé. Ok, au moins, c'est dit. Pas me faire chier, au moins. Et pensez-vous que vous allez faire beaucoup mieux avec l'équipe féminine que l'équipe masculine l'année dernière, en 2016, quand on s'en rappelle, elle a fini en finale? Est-ce que vous pensez faire mieux? Attendez, vous me parlez de quoi, là? Équipe masculine? Parce que les mecs, ils jouent au foot, maintenant? Écoutez, le foot, c'est un sport de gonzesse. Alors, laissez ça aux filles, ok? Les mecs, vous allez qu'à aller faire la couture ou du tricot, là. Vous êtes un peu violent contre l'équipe masculine qui est... Ah, qui se masculine, ils savent pas jouer. Tu leur files un ballon, ils savent même pas faire une dribble. Petit pont. Donc vous pensez que vous allez gagner l'Euro féminin? Finger in the nose. Et ben on verra ça, on suivra tout ça. Tiens, foutez Jean-René. Merci beaucoup Olivier Echouini. Echouini. C'est comme le bateau, il ouvre à choix, il a fini, ok? Merci beaucoup. Allez, tchuss. Et chez les filles, on n'est pas des pédés.